Prélice au Globe, bonjour, bonjour à tous. Démarrons cette deuxième lecture de la une des journaux avec le quotidien Maison Fraternité qui titre en manchette « Disparition d'une icône du sport béninois en France, une affaire d'État suisse patriotique pour Odile Awanwanu ». Le matinal, promulgation de la loi sur la nationalité béninoise aux afro-descendants, Talon répare une justice historique. Commune de Parako, 11 prostituées déposées leur procès pour le 24 septembre. Performances économiques, le Bénin affiche une bonne impression auprès du FMI. Les détails sont à la page 2 du journal. Le télégramme à présent, dossier Steve Amoussou à la criette. Le député Kamal Wasangari réclame la condamnation de Medegan Fagla. Le député Victor Tokwano salue le verdict des ravisseurs pour atteinte à la pudeur à Parako. 11 prostituées et 5 hommes déposés en prison. Destitution du président français Emmanuel Macron, le bureau du Parlement valide la procédure. Les quatre vérités, lutte contre le trafic de drogue au Bénin, un militaire, un ancien, un charlatan et un commerçant arrêté. Bénin, Talon promulgue la loi permettant aux afro-descendants d'être naturalisés. Valorisation de l'alphabet et des langues nationales dans l'enseignement, une nécessité introuvable pour le développement du Bénin. Matin libre, promotion d'une culture endogène, Cotonou accueille la conférence mondiale de recherche sur le Niébé. 13e arrondissement de Cotonou, la NIP, ça grogne. Liste des fournitures scolaires, des exigences qui laissent perplexe. Info matin pour finir, disparu depuis le 10 septembre dernier en France, Odile Awanwanu, qu'est-il vraiment arrivé à l'athlète béninoise, s'interroge le journal. La Fédération béninoise d'athlétisme invite à l'union de prière. Recevabilité de la motion de défiance à Emmanuel Macron. Quelle suite pour la procédure, s'interroge Info matin. Et c'est tout pour ce matin. René Soglo.